بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمته وبركاته رضوان. أما بعد، بونجور. Nous allons voir certains secrets de certains versets du chapitre Joseph, que la paix d'Allah soit sur lui. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. C'est-à-dire lorsque notre prophète Joseph, que la paix d'Allah soit sur lui, a atteint la maturité, Dieu lui a donné une grande capacité de jugement, hukman, wa ilma, c'est-à-dire une grande science. Wa kadhalika najzi al-muhsinin, et comme ça, Dieu, il, comment dirais-je, donne les bons cadeaux, parce que c'est un bon salaire à ceux. Au méritant généralement. Wakadal Kenaz il Mahsin, c'est-à-dire qu'ils font du bien, ils auront de la part de Dieu plusieurs faveurs incalculables et ineffables. Warawadatu allati huwa fi baytiha an nafsi, c'est-à-dire la femme de Aziz Masr, Zunaïcha, elle a été vraiment. Elle est tombée amoureuse, follement amoureuse de ce prophète qui a une beauté imaginaire, la beauté, comment dirais-je, mythologique, si on peut dire aussi ça, une beauté extrême. Elle a été vraiment obnubilée par cet amour-là et elle a fait tout pour qu'il soit séduit. De sa part. Elle a fait tout. Donc, elle a attiré par plusieurs voies de séduction, par des différents habits d'apparat, par peut-être des musiques dans ce palais-là, beaucoup de choses, et de montrer caché, etc., etc. Et par des allusions. Donc, voilà, tu l'as dit, Roua Fibetastir, il est. Sous sa tutelle, si on peut dire ça, lorsqu'il a été un garçon. Mais maintenant, il est dans un état où la vie sexuelle peut jouer son rôle. Donc, elle a compris que le moment est venu pour vraiment faire ce qui ne doit pas être fait. Parce qu'en islam, et notre prophète Joseph, que la paix d'Allah soit sur lui, est un musulman. C'est prohibé. Le fait d'avoir des rapports sexuels illicites, on n'a pas à voir cette situation-là. C'est défendu, ni plus ni moins. C'est fini. Pour nous, Dieu il a dit non, non. La taqrabu zina n'a aucun abariste, c'est-à-dire, oh vous les musulmans, évitez tout contact ou tout comportement ou toute situation qui peut vous rendre des gens. Malveillants face à cette religion-là. C'est-à-dire, les gens qui commettent des crimes sexuels, ils n'ont pas une vraie croyance en Dieu. Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, il dit c'est-à-dire que celui qui fait un acte sexuel illicite, en ce moment-là, il n'a pas une vraie conviction que Dieu est Dieu et que Dieu ne veut pas ça. C'est interdit. Un point et c'est tout. Donc, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ, c'est-à-dire elle a fait tout ce qui est possible pour le dévier et pour séduire. وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ, elle a fait que au moment opportun, elle va fermer avec toute rapidité et violence toutes les portes pour l'isoler. Elle sait que ça veut dire l'isolement pour un acte sexuel. Donc Dieu dit, la taqrabu zina n'a aucun abariste, c'est-à-dire tout homme ou femme qui se met sur le sentier qui mène vers le rapport interdit, il sait qu'il est vraiment, il joue avec son salut et avec sa sécurité et avec peut-être il va causer le courroux divin. Donc, وغلقت الأبواب
C'est vraiment, Dieu n'a pas dit ghalakat ou aghlakat. Ghalakat, c'est-à-dire quelque chose qui est très énergique, qui est quelque chose de très violent et très rapide. Donc, le Takamuzina n'a aucun arrêt. Donc, c'est sa vie. Donc, elles veulent le mettre dans une situation qui n'est pas belle pour un musulman. C'est-à-dire quelque chose de très vicieux, quelque chose de très mauvais. C'est-à-dire que le bout du chemin qu'on va faire, c'est toujours avec des calamités, avec des colères divines, avec beaucoup de douleurs et de tourments et de culpabilité. Donc, elle n'a laissé aucune porte ouverte. Elle sait bien que l'isolement de ce type-là, il est un facteur fondamental pour que le rapport ait lieu. Le rapport sexuel. Elle lui a dit, je suis prête pour que tu assouvis ta soif, que tu prends un peu de délices, etc. Donc, elle utilise le sex appeal à fond. Haytelek. Vous voyez que l'homme, il est très sensible à ce type de comportement. Parce que la femme qui appelle, la femme qui se met en faveur, c'est-à-dire entre les mains de cet homme-là. Il a toute comme la porte ouverte pour qu'il aille vers cette femme-là et s'accoupler avec elle. Donc, et peut-être un jour ou l'autre, on va voir parce que dans le monde de la sexologie, le monde de l'érotisme, le monde de la pornographie, ce haytelek, il est vraiment très destructeur des rapports entre hommes et femmes. Parce que celle qui est vraiment s'offre à l'homme, ce n'est pas une femme qui veut vraiment du bien, ni à elle-même, ni à l'homme, ni à toute l'humanité. Ce n'est pas vrai. Ce haytelek ne peut être effectif que dans la zone familiale, dans le cadre de la vie conjugale, ni plus ni moins. Haytelek n'a pas autre, comment dirais-je, terrain d'exécution, de terrain de fonction. Waqalat haytelek, qala ma'adallah. Au premier abord, il a dit, impossible, je demande refuge auprès de Dieu. Parce que ça, c'est quelque chose qui interdit et qui ne peut que charrier beaucoup de souffrance. Qala ma'adallah innahu rabbi, c'est-à-dire ici, ou bien rabbi, c'est-à-dire notre Dieu, celui qui nous éduque de la meilleure façon, ou bien rabbi, c'est-à-dire mon maître, c'est-à-dire ton époux, ton mari. Qala ma'adallah innahu rabbi, c'est-à-dire je ne peux pas faire ça parce qu'il m'a bien traité, il m'a considéré comme un enfant adoptif, donc je ne peux pas faire ça. Et il dit que ceux qui sont injustes et ceux qui transgressent, ils ne peuvent jamais être dans le bon chemin et ils ne peuvent récolter que des défaites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.